emotion. Like sunbeams on a cold blue ocean, you spread yourself in my emotion. Nous allons vous présenter le nouveau défi de Pieds sans frontières. Voici la découverte des confins helvétiques. Le but de notre camp est de relier en 10 jours Appenzell à Zernetz dans le cadre d'une camaraderie et de l'aventure. Cette distance, longue de 200 km et 10 000 mètres de montée, se fait à la force de nos mollets, sans voiture d'assistance et en ayant tout sur notre dos. En passant de la vallée de la Montue au Chasseron, du bord du lac Léman aux Préalpes fribourgeoises, nous avons façonné notre condition physique pour gravir les montagnes d'Appenzell, direction Rothsteinpass, puis le Toggenburg, le Wallensee, avant de monter les Alpes saint-galloises par Weihstannen et Wettis. J'espère que vous êtes confortablement bien installés, car il vous reste plus qu'à admirer cette aventure par ses paysages d'anthologie. Voici, mesdames, messieurs, Appenzell Zernetz 2009. Départ en train des Chalands à 9h58. Un dernier contrôle du sac, un dernier adieu où quelques larmes s'échappent, puis en route ou plutôt en train direction Lausanne, Saint-Gall, Gast et Appenzell. Arrivés dans ce pays de cartes postales, nous prenons une photo à la Landgemeinde Platz pour immortaliser notre départ à pied. Un groupe de touristes allemands nous encourage avant de prendre la route par des ruelles kitsch et étroites. Cette première après-midi de marche nous met gentiment dans le bain. Nous avons encore la sonnerie de l'école qui nous résonne dans la tête. Mais c'est enfin les vacances. Les vacances, c'est le pied. Ou encore, c'est à pied que nous arrivons à Weisbad. Alors Pascal, va-t-il pleuvoir ? Motivés pour faire encore un bout à pied, nous sommes dans l'incertitude de nous faire ainsi car l'orage menace. Heureusement, une famille de tenteries, une ferme avec de la paille nous accueille volontiers pour passer la nuit. La chèvre n'est pas contente de nous voir squatter sa maison. Aujourd'hui, il pleut. C'est avec les pieds mouillés que nous montons au Rothsteinpass. Ce n'est pas motivant de commencer à marcher sous la pluie. Entre les gouttes se glisser. De trois nuages et l'on court à l'abri. On n'aime pas
trop se mouiller. Au 10 heures, nous sommes frigorifiés. Heureusement qu'à Megisalt, nous trouvons un abri pour se réchauffer et prendre un petit remontant, et de faire une partie de cheval au galop. Le soleil est brillant, même en plein hiver. On rêve de... Toute cette eau qui n'arrivera sûrement pas au hameau par le ruisseau, mais par les tuyaux pour les veaux. Ou peut-être cette eau passera dans les boyaux de certains oiseaux, ou de renardeaux. Ou encore dans les flots si beaux de certains roseaux. Mais tout cela finira en héros à Tchernets. Oh ! L'on attend sous des portes cochères. Courage, le col n'est plus très loin. Arrivé au point culminant de la journée, nous sommes récompensés par une bonne soupe. On met des chapeaux, des gants, des impairs. La descente est garnie de névées de neige avec au loin les premiers rayons de soleil qui s'approchent. Faudrait pas s'éloigner, rester dans son coin. Une averse et l'on risque d'être surpris. Pas de jolie vie, de joli chemin. L'on craint la pluie. Si l'on craint la pluie, on prie le ciel et les creux. Chouette, nous approchons de Ville House, où nous pourrons faire sécher nos habits au soleil. Tourne la chance. Dieu, que tout baigne quand il y a du soleil. Voilà le mauvais temps, ça recommence. Van nous fait une démonstration de nœuds avec la corde. Ce deuxième jour de marche est marqué par l'apparition des premières cloques. Aïe! Un petit brossage de dents et dodo pour m'évader dans des rêves de paysages que j'ai traversés. Ce matin, on croyait à une belle journée, mais en montée vers le col après un savoureux 10 heures, la brume s'alourdit, créant ainsi la visibilité nulle. Tout ce blanc nuage qui nage sur ce paysage si sage est ressemblant à la plage. Il pourrait ressembler à un paysage que les mages ont pris comme bon présage jusqu'à cet étage. Oh.
L'approche au col est rendue difficile avec le brouillard et l'herbe glissante. Nous faisons une photo à l'arrivée au col et nous continuons sans pouvoir contempler la vue sur le Valensee. Après le passage au col sans vue, nous nous arrêtons dans la descente pour la gap de midi dans un petit hameau, Lucis. Ce temps fait par contre le bonheur des fleurs, toutes contentes d'être arrosées, naturellement. Par contre, l'araignée a été se mettre à l'abri. La descente est vertigineuse. Dans la forêt, nous ne manquons pas quelques glissades sur ce terrain boueux. Encore un matin où c'est un temps à sortir des salamandres. Ce matin, en pluie et brouillard, le temps reste incertain. Comme dit Jérôme, là où on va, les nuages sont secs. Jolie façon de nous remonter le moral. La montée est longue et nous avons froid. Même les pulls thermiques sont nécessaires pour essayer de nous réchauffer. Ça affiche un tout autre tapage. Ça nous cogne sur le bambou. T'es pas de notre village, on peut bien lire ton salivage. On en a marre, on est à bout. Donc faudra qu'on passe au carnage. Val est un infirmier hors pair. Il exécute des méthodes drastiques contre les cloques. La douceur qu'il donne lors de ses soins sent irrévocablement des remèdes contre les douleurs. Le matin, aux pauses, à midi ou encore le soir, il est présent avec son Tupperware faisant office de trousse de pharmacie. Un petit bout de tape, un Campid suffisent à le faire passer pour le héros des bobos. L'ascension vers le Matschopf est longue. L'herbe est glissante et les brindilles toutes mouillées nous coulent sur les chaussettes. Au-dessus de la limite de la forêt, le paysage change. Cela devient une ambiance d'espace où le bruit du vent et de l'eau nous berce entre deux pas. Thank you.
D'un petit coup d'index, ils prennent de merveilleux clichés. Ce n'est pas évident d'être paparazzi lors d'un camp de marche. Nos deux photographes rusés, Romain et Valérie, se sont chargés de nous récolter les meilleures prises avec tact. Après ces chemins en papette, nous déballons nos chaussures imbeusées. Une bonne douche dans la rivière Güffelbach ou une eau glaciale nous revitalise. Quelques courageux prendront un bain. Trois couleurs! Oh oui! C'est toi! Allez, vas-y, saki toi, balance tes cartes! Ouais, juste un peu la moitié d'eau! Moi, j'ai joué, Sandwich! Mais le quoi? Sandwich! Il était tout dessous! Mais c'est sandwich, non, c'est sandwich ta mère! Moi j'ai pas de cartes! Moi je mets les cartes! Si tu peux jouer? Oui, mais ça c'est parlé! C'est chaud là! Mais non, mais là c'est plus drôle! Des sandwichs! Ouais, moi je suis pas normalement! Salaud! Il faut plus salaud! On dirait que tu peux voir derrière les cartes! Mais je t'ai dit que... Ce matin, même le chat du quartier a de la peine à se réveiller. Allez, debout! Lors du départ, nous avons très froid. Avec Bonnet et Mouf, nous sommes partis plein sud. Enfin, un jour où le soleil nous accompagne. Nous pouvons faire sécher notre lessive sur le sac. Mais les chaussures font encore un bruit d'égout lorsqu'on marche. On s'engage dans une vallée où la rivière bien remplie des précipitations de la veille nous crache sa fraîcheur. Tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence. Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore encore. Je vis dans une... Le début du camp était passablement arrosé. Mais maintenant, une crête de haute pression nous garantit le soleil. Je suis le fantôme qui s'égare. Je suis l'étranger à ton cœur. Le massif Kalunda nous apparaît par ses flots gris et verticaux, desquels des cascades jaillissent avec élégance et beauté. Penose la montagne, nous nous arrêtons vers une étable, aux 10 heures. Un paysan avec sa petite chemise et son chapeau en tissu nous offre du lait frais. On a parcouru le chemin, on a souffert.
Départ à 7h15 sous les ordres de la chef Véronique. La pluie est de retour. Je mange ma banane aux 10h au Kunkel Pass avec les mains gelées. A million miles wouldn't seem that far. I'd go anywhere just to win your heart. But wherever this leads. Nous franchissons le Rhin tout près de la réunification du Rhin intérieur et du Rhin postérieur. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante. Bravo! Nous voilà aux 5 km. Après cette journée un peu plate, question d'annivellation, les pieds s'ouvrent sur ce goudron, dur et peu confortable. Certains en ont même marre de marcher avec leurs chaussures de marche, alors ils mettent de savane. Ce soir, c'est une délicieuse salade tomate mozzarella suivie d'ébli avec une sauce aigre douce. Même une amatrice locale en raffole. Encore un dernier petit massage avant que les bras de Morphée nous accueillent. Parlons de notre aventure. Nous sommes partis le 5 juillet dernier d'Appenzell et nous avons déjà gravi 114 km à travers le canton de Saint-Gall et Appenzell. Nous sommes maintenant dans le plus grand canton de Suisse, celui des Grisons, avec ses multitudes de vallées dans toutes les directions. Depuis Vétis, dernier village du canton de Saint-Gall, nous sommes descendus dans la vallée du Rhin pour rejoindre Tamins. Nous avons remonté dans la vallée du Rhin postérieur et franchi plusieurs petits villages grisons, Trottenbrunnen, Tomils, Paspel et enfin Scharans. Demain, nous combuterons dans la vallée qui mène au col de l'Albula en passant par Tiefenkastel, Filisur, Bergün. Là, on optera pour le passage à la cabane de Kesch pour passer en Engadine. Nous allons prendre de la hauteur. Attention, n'ayez pas froid aux yeux, la suite arrive. C'est parti! La nuit fut chaude car nous sommes qu'à 766 mètres. Véronique, digne d'un métronome, nous réveille à 6h tapante. Nous avons de la peine à sortir des sacs de couchage, mais quand on apprend qu'il y a de l'ovomaltine crunchy à tartiner, on se dépêche de pacter nos sacs de couchage et notre nappe pour dévorer ces délicieuses tartines.
Nous passons à côté d'une église âgée de plus de 1000 ans, avec ses fresques presque totalement effacées et ses ossements entreposés à l'extérieur. Nous sommes forcés de faire une longue pause pour attendre l'ouverture du magasin, car c'est samedi et comme on ne sait pas si les autres villages en ont un, nous misons sur la sécurité d'approvisionnement de nourriture. Car Sarah et Evian, soucieuses de ne pas trouver les bons ingrédients à leurs recettes, se donnent à cœur joie lors des achats. Aïe aïe aïe, d'Ivoire Léonore, qu'est-il arrivé? Nous allons placer ce jour sous le nom du stylisme. En effet, un crayon de maquillage trouvé, et nos artistes rusés se donnent à cœur joie pour trouver des idées de décoration faciale. Arrêtons au fort de la vallée avant de grimper le dernier becquet en direction de la cabane. Les pieds souffrent, mais les yeux, eux, sont remplis de douceur face à ces paysages merveilleux. L'après-midi va être une longue approche pour enfin découvrir cette magnifique bâtisse au sommet du col non loin du glacier de Borchabella. Avec une précision de chef d'orchestre, Véronique compose et organise ce chœur du bout de sa baguette. Avec détermination, elle nous informe des événements de la journée. Montée ou descente, col ou vallée,
Elle est là pour nous rassurer sur l'effort journalier à fournir. Elle est là aussi pour choisir les endroits des pauses et les logements pour la nuit. Bref, c'est notre chef de queue adoré. Les pieds souffrent, mais les yeux, eux, sont remplis de douceur face à ces paysages merveilleux. Après avoir passé la nuit à la cabane d'un des lits avec matelas, nous entamons la grande descente sur la vallée de Longanine. Que c'est bon de dormir dans un vrai lit. Nous avions presque perdu l'habitude d'un endroit aussi douillet. Nous n'avons quasiment que de la descente et comme une perturbation menace notre pays pour les prochains jours, nous décidons de faire un crochet à Skanf pour la nuit et le lendemain d'aller directement à Tjärnäs sans passer par le parc national initialement prévu. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux
aujourd'hui 14 juillet, jour J. Nous allons enfin découvrir ce village tant attendu, Ternetz. Encore quelques gouttes de sueur et nous y serons. Les panneaux nous montrent la direction. L'impatience commence à se faire sentir. Soudain, dans la descente, nous apercevons les maisons de notre arrivée. C'est magnifique. Parti il y a 10 jours, Appenzell est à 200 km de nous maintenant. Nous arrivons à 10 000 mètres de dénivellation à notre actif. Les yeux et l'esprit remplis d'histoires à raconter aux parents, nous allons maintenant savourer cette victoire tant méritée. Pour cet événement, nous allons au resto. Il est temps de rentrer maintenant. Lessive, repos nous attendent à la maison. Mais surtout, je me réjouis de raconter ma fabuleuse épopée à mes proches. Car je suis sûr que j'ai réussi aujourd'hui quelque chose d'unique. Cela restera mon aventure, partagée avec 20 autres copains et copines et 8 accompagnants.
Pascal, ça va, pas trop mouillé? Non, ouais, des averses, le cas là, tiens. Mais bon, c'est pour ça, mec. Il fait penser que le bouchon est bien. Je me bois. Bravo.